Yo tout le monde, c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Alors on est de retour sur Black Ops 3. Non, c'est une petite blague, on est sur Fallout 4. Allez! Donc du coup on est arrivé à Ten Pines Bluff, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est la ville où il y a les rescapés qui sont censés être. Alors on va commencer par level up. Donc je sais pas si vous vous souvenez, on venait de faire un petit massacre de ghouls assez sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est pas mal. Résistance aux dégâts augmentée de 10. Assez classique, pas mal. Allez, on va faire ça. Ok. Alors où est-ce qu'ils sont les petits gens? À la gare où on a massacré les ghouls, j'ai trouvé un enregistrement audio de deux mecs qui s'étaient fait prendre en embuscade par je sais pas quoi. Et nous avons justement je sais pas quoi en face de nous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va les sniper un coup, je pense. Ah ouais, non, ça m'a pas l'air sympa comme bestiole. Merde, j'oublie toujours de recharger. Ah, j'espère qu'il va pas me voir. C'est bon, je suis caché. Ouh! Il est mort tellement vite que j'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Ah carrément, il s'est désintégré le truc. Cabot errant. Ok. Bah j'espère. Bah il était méchant quand même, j'espère. C'était pas un gentil chien, j'espère. Ah, je me demande bien ce qu'on a là-haut. On dirait qu'on a carrément des campements là-haut. Est-ce qu'on peut monter? Il doit y avoir une échelle ou je sais pas. On ira voir plus tard. Alors voilà le pont. Nous y voilà, Ten Pines Bluff. On va sortir le petit fusil à double canon histoire d'impressionner un coup la galerie. Comment ça va les mecs? D'accord, par où on rentre? Déjà, ah, on rentre par là. Ah, ça dort. Ça roupille. Désolé de vous déranger. Salut. Mais je viens vous sauver la vie. Ça shoot là-bas. C'est vachement stylé, on entend les fights qui sont super loin. Je vois rien, mais j'entends. Je sais pas trop d'où ça vient. Non, mais t'es en or pas! Eh oh! Eh oh! Mais je vais le réveiller, moi, le gaillard. C'est bon, t'es réveillé là? Allez, tu te bouges. Attends, surtout, prends tout ton temps, hein. J'ai que ça à faire. On a assez d'ennuis comme ça. Je veux te sauver la vie, connard. Calmez-vous. Je fais partie des miliciens. On m'a dit que quelqu'un avait besoin d'aide ici. Vous êtes des miliciens? Je pensais pas que vous existiez encore. On a bien dit à un marchand ambulant de faire passer le message, mais je pensais pas que ça servirait. Les gens ne font plus confiance aux miliciens depuis Quincy. Ça leur a donné une mauvaise image. Vous voulez de l'aide ou pas? Vous voulez de mon aide ou vous préférez que je reparte? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah! C'est bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas une dit. Bande de pillards. Attention. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Attention. Depuis des semaines, ils nous prennent nos récoltes, notre matériel, et ils menacent de nous tuer si on refuse. On sait d'où ils viennent, mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête. Bah je vais les 1v20. Alors casser la bouche. Pas de problème. Je vais aller leur botter le cul. Merci. Si les miliciens redeviennent ce qu'ils étaient, les choses vont s'arranger. Par contre, je prendrais bien la grosse armure si je dois aller détruire un camp de bandits à moi tout seul. Ça peut être pratique. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah oui, je peux leur voler leur plant de tomates. Ça, c'est bon, ça. Du coup, on va pouvoir les replanter dans notre... Pomate? C'est quoi, ça? Pomate? Mélange entre une pomme de terre et une tomate? On prend un max de trucs, on pourra les replanter dans notre village. C'est exactement ce que je cherchais. Qu'est-ce qu'on a là? C'est tout défoncé ici. Oula. Ah oui, carrément, je peux tirer vraiment 2 balles d'un coup, quoi. Ah, c'est pas précis, hein. Hop là. Ah, plus de racafard.
Ouais, donc c'est pas un village ou quoi, hein, en fait, c'est rien du tout, c'est genre une pauvre cabane. Je m'attendais à un truc un peu plus gros. Et du coup, ils sont où leur... Oh, il y a un aéroport vers là-bas? Là-bas, il y a un pylône électrique apparemment. Je vois ça en bas, hein, sur le petit truc en bas. Alors, c'est par là-bas, est-ce que c'est loin? Ouais, c'est assez loin, c'est dans une usine. Écoutez, on va y aller. Voilà, j'ai dormi un peu histoire qu'il fasse jour. Je me suis mis en mode clochard dans le train là. J'ai trouvé une petite couchette. Oh, je me souviens plus si elles sont vénères les vaches ou pas. Il me semble que dans le 3 elles sont vénères les vaches. Oula. Ah. Est-ce que c'est un pierre le mec ou pas? On va l'aider dans le doute. Putain, il l'a découpé. Par contre, il est où le petit poteau qu'on a sauvé? Il s'est pas tiré quand même. Où est-ce que t'es? Ah, il est là, il est là. Vous m'avez sauvé la vie. Ouais, je t'ai sauvé la vie. Ouais, je sais, je sais. Sympa. Sympa. Bon bah du coup, ça doit être tes vaches, on va les laisser tranquilles. On va éviter les emmerdes. On en a déjà assez comme ça. Là, j'ai l'impression qu'on arrive dans une espèce de ville détruite. Pourtant, on n'a aucun lieu découvert. Ah d'accord, je viens de comprendre comment ça marche pour le recharger en fait. Oui, je suis un peu con. J'avais toujours pas compris comment ça marchait. Alors là, il y a vraiment plein de trucs. Hein. Là, il y a des bâtiments partout autour. Lexington, je me disais bien qu'on était dans une espèce de ville. Et qui dit ville dit pillard en général. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non. Impossible de déchiffrer le code. Ah, je suis trop faible encore. J'ai encore des trucs à apprendre. Super d'humeur, Marthe. Ah bah, encore un nouveau lieu. Donc il y a carrément deux villes. L'une à côté de l'autre. Eh voilà, je vous avais dit. Pire. Ah, ils m'ont pas vu. Ah, je suis vraiment mauvais, par contre, j'ai réussi à le rater. Ah, ils se battaient avec des ghouls. J'aurais dû les laisser crever. J'aurais dû les laisser crever, ça aurait été marrant, ils auraient pu s'entretuer. Putain, il est vraiment violent le robot. Par contre, les bugs là, il commence à y en avoir vraiment beaucoup, beaucoup. On a encore un mec dans le sol là. Ça commence rapidement à être lourd. Ah ouais, genre on est en plein centre-ville là. Putain, la vache. On a des routes partout. Ah, qu'est-ce qu'on avait là? De la thune. Ouais, c'est assez dingue là, c'est la plus grande ville qu'on a trouvée depuis le début. J'ai essayé d'entrer dans un bâtiment, voir s'il y a des trucs. Si on pouvait aménager toute une grande ville comme ça, ce serait assez dingue. Ça m'étonnerait qu'on puisse, mais... Ah ouais? Non. Hey. Pourquoi il me dit qu'il a purifié de l'eau? Cotsworth. Oh nice! Sympa, il peut purifier de l'eau pour moi. Deux électrodes donc qui est pas irradié. Le courant ne passe pas entre nous et l'autre de répondre. Il faut vite qu'on trouve une solution. C'est très drôle. À tant de bonnes relations. Question ô combien épineuse, monsieur, que je me pose moi-même très souvent. Les choses ont changé, c'est certain. Et je crains fort que ce soit en pire. C'est tout. Très bien. Allez, casse-toi.
On avance. Ah, vraiment belles les villes. Regardez ces effets là. Avec le soleil. Ah, c'est les décors sont vraiment superbes. L'environnement est vraiment propre. Ah, j'ai détecté une fréquence radio. On va écouter ça tout de suite. Répétition automatique du message. Ici le scribe Hélène de l'escouade de reconnaissance Gladius. Appel à toutes les unités à portée de transmission. Autorisation Arx, Vérum, 9, 5. Notre unité a subi des pertes et nous avons besoin de ravitaillement. Demandons renfort ou évacuation immédiate. Position, commissariat de Cambridge. D'accord. Merde. Merde, je suis cramé. Il est où ? Répétition automatique du message. Ici le script. Ah, il est là, l'enculé. Appel à toutes les unités à portée de transmission. Merde, c'est pas rechargé. Autorisation A. Vérum. 9. Ça va, ils ont du mal à me toucher, ils sont un peu handicapés. Ok, ça c'est fait. D'accord, donc plus je mets de charge, en fait, plus il fait mal mon fusil. J'ai l'impression. Genre là. Là, je tire 3 balles d'un coup, mais il fait beaucoup plus mal. Répétition automatique, message. Ici le scribe Hélène de l'escouade de reconnaissance Gladius. Appel à toutes les unités à portée de transmission. Ah putain. Là, je mettais 3 charges, je l'ai tué le mec. Ok, comme sniper, c'est vraiment pas mal. En plus, je peux ajuster la puissance du coup en fonction des munitions. Oula, par contre, là, il y a du monde. On va sortir les grenades. On va sortir le cocktail molotov. Le bon flingue. Merde. Pourquoi je... Merde. Bah, c'est quoi la touche pour les grenades? Oh là là. Alors la touche des grenades, c'est pas encore acquis parce que c'est la même touche que pour côté, donc c'est très bizarre. Et je crois que j'ai éclaté Codsworth, mais genre méchamment. On va se heal un coup parce que là on prend très très cher. On va partir sur. Ok, on est bon. Oh là là, je l'ai massacré. Oh la vache, y'en a partout! Oh là! Ah, les combats sont vraiment cool! Hein. Ferme-toi! Vous avez vu ce saut qu'il vient de faire, le gars là? Ah non, y'a une porte là! Le mec vient de sauter d'en haut, normal! Grenade! Ah, je suis déjà midlife, hein. Putain, je prends très très cher. Hein. Faut que je fasse très gaffe à moi. Oh, Steak Dickershaw, c'est violent. Ah, il est mort, hein. Il est bien mort. Le mec s'est complètement suicidé. Ah, j'ai un robot qui m'aide là. Qu'est-ce que c'est que ce robot? C'est pas les robots de l'État. Les robots qui sont envoyés par l'État. Pour diffuser des messages, je crois qu'ils ont des lasers pour se défendre. Oh, c'est superbe! Il y a une notion de verticalité en fait, on peut monter sur les toits et il y a des fights à plusieurs niveaux. Et ça, c'est vraiment stylé. Oh, reviens, je m'amusais bien. Ah, bah, moi aussi, je m'amuse, écoute. Moi aussi, je m'amuse bien. Par contre, où est-ce qu'il est, Codsworth? Parce que. C'est pas comme si j'avais l'impression de l'avoir complètement bousillé, mais je vais jeter 2 cocktails Molotov dans la gueule quand même. Et en général, ça fait pas trop plaisir. Vous êtes où, bande de bâtards? Ah. Ah, ils ont éclaté le robot. Comment ça fait pour ne pas toucher ça? Hop là. Ah oui, faut que je teste aussi les... Ah non, il est là. Les fights à la troisième personne, ça peut être cool aussi. Mais là, j'ai du mal à trouver les autres. Ils doivent être en haut, on va monter.
Alors, tu fais quoi maintenant? Hein? Elle est vraiment pas mal cette arme. Elle est vraiment cool. Boum! Ça one shot tout ce qui passe. C'est excellent. Où êtes-vous, mes petits? Où êtes-vous? Là. On reconnaît bien l'ancien sniper, n'est-ce pas? On va même tenter un oscope. Vous êtes prêts? Non, il veut pas sortir de sa cachette. Ah, il est en train de se battre avec quelqu'un, j'ai l'impression. Ou je rêve? Non, je rêve peut-être complètement. Oh, oh, oh. Oh, merde. Merde, la grenade m'a endommagé la tête. Alors, comment ça marche dans ce cas-là? C'est quoi, ça? Dans ce cas-là, comment ça marche? Ah, ok, on a des raccourcis pour utiliser des Steam Packs. Et bon, ça... Après, ça me le met pas sur la tête, là. Ah, si, c'est toujours pareil. C'est une fois que vous fermez le menu, ça vous utilise le Steam Pack. Ça, par contre, je trouve pas ça très bien fait. Je trouve ça un peu foireux. Le petit noscope, le petit quickscope peut-être même. Le petit 360. Non. Ah, c'est la folie, là, là c'est la folie. Oh, le 360 qui va passer. Peut-être. Et non, 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 ce n'est pas passé. On va faire une sauvegarde rapide, on va éviter de se suicider quand même. En tentant un trick shot. Non. Ah, mais il se cache derrière son truc, impossible de l'avoir. Oh, est-ce qu'on tente? Ok, 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 ok. Suicide shot. Are you ready? Non. Non. C'était ridicule. J'ai foiré. Oh. Le petit noscope jump shot qui passe comme ça. Attention. Non, 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 non. Que c'est mauvais. Là, on s'y croit, hein. Ça y est, on est revenu sur BO2, on a notre petit balista. Oh, mais... Oh là 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 là! Wouh! Oh là là! Le quickscope de l'infini qui passe crème! Oh là 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 là! J'ai failli me faire tuer entre temps d'ailleurs, je sais pas où il est l'autre fils de pute là, il en reste un. Oh là 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 là, mais il a tellement pris cher. Ouf! Ouh! Ah, ça m'a carrément fait sursauter. Le truc qui explose sous mes yeux là. Oula, pourquoi je me fais irradier? C'est ça qui m'irradie? Ah la vache, ça m'irradie. T'es où? T'es où, sale lâche? Ça le lâche. Tu as un cocktail Molotov? Tiens. Non. Tiens. Non. Ah si. Ok, il faut que je laisse appuyer pour le cocktail Molotov. Ah là là, les fights sont géniaux. Les fights sont géniaux. En tout cas, je kiffe vraiment cette arme là, le petit mousquet laser. Et là, on va ressortir le pistolet 10 mm qui est aussi super cool, je trouve. Ah merde. Ah, j'oublie toujours de jouer au fifu. C'est bon, je suis pas repéré. Ah, par contre, ils ont vu mon robot, génial. Tu peux pas être plus discret, toi? Ah, c'est bon, ils m'ont vu. On va ressortir. Je pense que j'ai encore d'autres grenades. Grenade frag, il m'en reste une. Bonsoir. Exact, ça pète. Oh merde, ils ont une tourelle. Ouh, ils ont une tourelle. Ils ont une tourelle vénère. Ah, j'ai plus beaucoup de balles, hein.
Merde. Oh, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Est-ce que j'ai pas un truc qui m'augmente Ouais. Est-ce qu'on n'a pas une résistance aux dégâts? On va prendre ça, mais ça reste de la drogue, donc on n'en utilise pas trop parce que sinon on risque de prendre très vite cher. Hein. Donc, attention avec ça. Il y a du monde là ou pas? Non. On va se cacher là. Comment on fait pour ça? Ah ça va, elle est pas si forte en fait la mitrailleuse. Hop là, il y a plus. Par contre j'ai plus de balles du tout, hein, donc. Bouchon de liquide de refroidissement. C'est quoi ça? On va en prendre quelques-uns. Et surtout on va changer d'arme. Écoutez, on va y aller. On va y aller à la main. On va y aller comme un barbare. Ça va? Ah ça fait mal hein, quand même. Merde. Ah je suis encore aveuglé. Ah c'est stylé hein. Quand on a la tête défoncée, on a vraiment des effets. Oh, une arme à baïonnette. J'ai cru voir. On fouillera tout ça après, on finit le fight. Et voilà. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que cette arme baïonnette qu'on a ramassée là? Haute sensibilité. À quoi ça ressemble? Ouais, c'est l'arme à verrou en fait, mais avec 2-3 trucs en plus. Ça peut être intéressant. Surtout que j'ai... Oh la vache, 300 balles! Tout à l'heure j'en avais plus. On est remonté à 300 balles. Merde, pourquoi je suis irradié là? Oh, merde. Je crois qu'il faut pas rester dans la lumière. Sinon on se fait détecter. Ouais, je crois bien que c'est ça. Ils sont là, ils sont pas loin. Ils sont où les salauds? Tu deviens parano, y a rien ici. Non, y a rien du tout. Vous inquiétez pas les gars, y a rien du tout. Il est là. Oh merde. Hein? On va faire exploser ça. Allez, viens mon coco. Approche. Ah, ça n'explose pas! Pourquoi ça n'explose pas? Pourquoi ça n'a pas explosé? En fait, je comprends mieux pourquoi on a 300 balles. C'est pas du tout la même arme qu'avant à verrou. Hein. Ça mitraille de ouf. Ok, ça c'est fait. Il est drôle le petit robot. Ah, elle est pas dégueu l'arme. Franchement, elle est pas dégueu. Ah! Scanner biométrique, carte de visée améliorée. Intéressant. Hop là. Ah, je me disais qu'il y avait des bruits chelous par là. On va tester la baïonnette un coup. Putain, mais il fait vraiment mal lui. Mais c'est incroyable. Il fait 3 fois plus mal que moi. Medex ne fait plus effet. Ok, c'était la drogue qu'on avait pris tout à l'heure. Intéressant. Ouais, exactement, le ramassage des ordures. Il y a un petit frigo avec des squelettes dedans. C'est très très convivial comme lieu. C'est sympa. Putain, les lieux ont l'air assez grands quand même. On va mettre un peu de temps à faire le tour, je pense. Oh là là, regardez-moi ça. Ça
C'est les petits robots qu'on peut voir dans le trailer. Attendez, on va les sniper. On va les sniper méchamment. Sans oublier de recharger cette fois. Oh la Corvega. Je la considère un peu comme une lointaine cousine. Alors toi mon gars. T'as pris cher et ils m'ont même pas repéré. Ils m'ont même pas repéré. Pourtant j'ai pas de silencieux. Hein. J'espère qu'il y a des armes sur lesquelles on peut fabriquer des silencieux, ce serait pas mal. Ah là par contre ils m'ont cramé là. Là ils m'ont cramé. Oh la vache. Oh la vache. Cache-toi mon petit robot, cache-toi parce que là ça crame de partout. On va sortir le pistolet automatique même si je crois qu'il est nul. Au moins avec ça on a des balles. Aïe 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 aïe, on prend cher. On n'est pas encore très haut level hein. Donc assez vite, on prend cher. Oui, oui, oui. Oh la vache. La petite sauvegarde rapide. Ne jamais oublier. Ils sont où les petits trucs que j'ai cuisinés? Ah, ils nous indiquent même quand les voitures vont exploser, c'est pas mal ça. Ah ouais, mais c'est la toile qui fait trop mal en fait. Et c'est mon arme qui est nulle aussi au passage. On va changer. Hein. Est-ce qu'on a repris des balles de ça ou pas? Munitions... Ah non, il n'y a pas de balles. Hein. Là écoutez, on va reprendre ça. Hein. On n'a pas tellement d'autres choix. On va mettre deux petits steam packs. Oh là 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 là, ça explose de partout. C'est de la pure violence gratuite. Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Oh là 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 là, mais il y a combien de tourelles là? Une en moins. Surtout que mon robot il peut pas m'aider contre les tourelles, hein. Il a pas la portée. Allez, presque. Yes. Il en reste une ou c'est un mec? Je crois qu'il en reste une. Parfait. Ouais, bah pas moi, écoute. Tu vois, moi j'ai pas mon temps, moi. Ok? Tu te calmes? Je level up mon monsieur, je level up. Il y a des trucs intéressants. Cuir bouilli, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a l'air pas mal. On level up en tout cas. Ça fait toujours plaisir et on va augmenter la force. Ouais. Voilà. Merde, elle était vide, je crois. Oh ouais. Hop là. Hop, ils sont là. Vas-y, vas-y, venez. Pauvre lâche. Personne ne me traite de lâche. Vas-y, viens là. On va voir ça. Aïe, il part. Hein. Il est chaud. Merde. Ah ouais, là, je vais péter la cheville carrément. Ah ouais. Ouais, parce qu'on peut faire des gros coups en appuyant sur la molette. Moi c'est lui qui me fait peur là. J'ai pas envie qu'il se réveille, qu'il se vénère. Ça va, tu les gères toi? Allez, prends ça. Ouais, c'est clair que là il y a du spectacle. Ah ouais, c'était là la porte enchaînée de tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que j'ai réussi la mission ou pas? Parce que c'est ça que je veux savoir. C'est où? C'est dans données, quête, la première étape.
Oui, j'ai réussi la mission. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de tous les tuer. Hein. Fallait juste faire un petit peu de ménage. Et j'ai dû tuer leur chef, je pense. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Ah, j'ai oublié de tester les combats à la troisième personne. Ce sera pour une prochaine fois. J'espère qu'il vous a plu. On a fait des beaux petits massacres. Oula. On a eu des gros lags. On a fait du petit massacre de bandits après les ghouls. C'était plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. C'était Tips Iron. En attendant, gardez la pêche. Allez. Oh. Encore. Allez, encore. Just do it. Ah, ça passe ou pas? Ça passe juste, hein. J'ai plus beaucoup de vie. Ah, vous voyez, regardez, elle est reliée par un fil électrique, là. Qui fait tout un circuit, et je pense que c'est ça qu'on peut faire dans le village. Enfin bref. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil là-dedans après. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Tips Iron. Allez, ciao tout le monde!